toujours la VOD. On est sur Alien Isolation. Du coup, j'allais citer à peu près tous les noms des films dont on vient parler dans le chat. Vous pouvez dire bonjour à la VOD, en plus il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Romus, il est pas si pire. Même si je pense qu'il faudrait stop. Ouais, je comprends ça aussi. Mais je l'ai pas vu, je sais que ce serait bien que je le voie, parce qu'il y a moyen qu'il me plaise. On est sur Alien Isolation. Soyez beau, soyez slibo. Pourquoi vous êtes pas là? De quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Kion? Ah, pourquoi vous êtes pas là, la VOD? Effectivement, mais peut-être que vous regardez la fin. Quel est l'outil préféré du cambrioleur? Le marteau piqueur. C'est pas un peu trop fort, sa voix, elle? C'est peut-être un peu fort. L'outil préféré du cambrioleur. Faudrait que je le baisse. Je sais pas si je peux le baisser quelque part. Si, sûrement. Ça va le son du bot? Ah ouais? J'ai l'impression qu'il va vachement loin dans ma barre de son. Mais du coup, si vous me dites que ça va, eh ben je vous trust. Ça radote aussi sur le matto picker. Ah peut-être, j'ai déjà oublié celle-là. C'est ok. Ok, parfait. Du coup, vous allez avoir une expérience d'Alien Isolation entrecoupée de blagues qui vont pop dans le chat grâce au text-to-speech. Ouais, bah c'est ce que je ferais, mais si vous me dites que c'est ok, moi pour moi ça va, mais si vous me dites que c'est ok, bah je veux pas baisser. Peut-être que quand on sera un peu plus dans l'ambiance, ce sera plus chaud, on verra. En tout cas, c'est normal, la VOD, si vous entendez, cette voix qui raconte des trucs un peu au pif. C'est la nouvelle fonctionnalité de Twitch Chat. Merci beaucoup, Durs. Et salut, Belcourou. J'arrive au bon moment, tout à fait, on va lancer. Je vais cacher le chat. Je trouve un poil fort. Adi, je vais mettre un poil moins fort, là. Tu m'as convaincu. Un petit poil. Ça va la VOD sinon? C'est bien le moment de faire ça finalement. Finalement. Comment je vais dans les paramètres du text to speech facilement? Tout à l'heure il m'y a envoyé mais j'ai pas choisi. Non mais au pire je ferai ça plus tard. Au pire... Oh... Ah si, c'est bon, j'ai vu. Ok, c'est facile. Alors, volume... Je baisse un petit peu. Voilà, je baisse de 10%. Ok. C'est tout bon. Elle est belle, la planète. Normalement, le jeu est beau, mais c'est vrai qu'on va jouer à la version de base, finalement. Donc, il est peut-être pas aussi incroyablement magnifique qu'on avait... Qu'on pensait, parce que c'est vrai que... LUL, pourquoi Hulk a un beau jardin autour de sa maison? Parce qu'il a la main verte. Merci. J'avais des souvenirs qui étaient très beaux, mais forcément il va être un peu moins beau que dans ma tête, parce que quand j'y ai joué, c'était sur PS4, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup de m'avoir coupé dans mon élan, hein. Je joue sur Epic Games. Tu seras interrompu toutes les deux minutes. Eh ben, je mettrai le... Je vous forcerai à utiliser des points de chaîne et je mettrai un cooldown plus long. Et puis voilà, si vous n'êtes pas capable. Le DLC était stylé de ouf. Ah, et je crois qu'il y a le DLC avec... Well, excuse... Je suis plus sûre, en fait. Merci de vous excuser. Hey, princess. J'ai caché le chat, c'est bon. Pardon, j'ai caché le chat. Je vais jouer clavier souris, mais là, moi, à l'époque, j'avais joué à la manette. Je vais voir si ça me perturbe de jouer clavier souris ou pas. Ah, il y a le mode survie aussi. Oh, intéressant. On va faire une isolation. Bon, c'est la partie. Je connais le jeu, mais je l'ai jamais terminé. Je pense qu'on va se mettre en intermédiaire. Voilà, ça me semble bien. Parce qu'il faut qu'il soit un peu dur. Enfin, je me rappelle plus s'il était dur ou pas. Locke, c'est la meilleure. Il faut qu'il le soit un peu. Ça, on le savait. Parce que c'est le principe du jeu, c'est quand même qu'on a peur de survivre, on a peur pour notre survie. Donc je pense qu'intermédiaire ça passe, moi ça sert à rien de se donner une difficulté excessive si c'est juste pour refaire le même passage en boucle, vu que moi c'est surtout l'ambiance du jeu. C'est le mode normal, ouais. Ah par contre, je mets toujours dans les jeux d'horreur pas mal de visibilité. Enfin pas mal de lumière, de gamma. Parce qu'il y a trop de jeux où on voit rien, parce que justement c'est sombre. Là c'est... Allez, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre comme ça. Mais moi j'en mets toujours et c'est rare que je regrette.
C'est sombre. Mais en fait, dans trop de jeux, c'est sombre juste pour être sombre. C'est-à-dire que t'es censé trouver un objet, mais vu qu'il fait super noir, bah tu mets 15 minutes. Moi, je trouve pas ça fun. J'aime le fun. J'aime avoir peur. Est-ce que vous pouvez changer la catégorie si c'est pas fait? Je crois que c'est fait, merci beaucoup. Je crois que vous l'avez fait il y a fort longtemps d'ailleurs. Merci beaucoup les motos. Je suis d'accord. Ah, j'aime bien comme ça commence comme un film. Rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Drouvant. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas. Sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Voilà, pour l'ambiance. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Avec de la chance, oui. C'est vrai que le mot chance, là, est très relatif, quoi. Ripley ? Mon nom est Sam Wells. Je travaille pour la compagnie. Ça va, ça, c'est fort ? C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. Ok. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi, j'ai pas de zoom pour ma cam sur cette scène. C'est bien dommage. Si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley. Quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. La transpiration fait pas naturel ? Bah, c'est que tout n'était pas parfait. On est quand même sur un jeu qu'à quel âge ? On l'avait dit la dernière fois et j'ai totalement oublié. Punaise, on joue 10 ans après. C'est beau. Ça y est, c'est nous. Je l'ai déjà. Franchement, je suis trop contente d'être dedans. C'est quoi? C'est celle-là. Oh, on voit ici le bord. Attendez, je vais régler ça. Ça dégoûte. Alors là, c'est assez bas, mais c'est assez bas pour moi aussi. J'ai pas changé le son. Une petite ombre. Ah, ça fait une petite ombre. J'aime pas que ça fasse une petite ombre. C'est parce que moi, je fais d'ombre. Elle, une vache braque, débarque dans une banque pour la braquer, que personne ne bouse. Si, merci, hein. C'est super. Je mets un cooldown de 5 minutes, moi. Vous êtes sûr qu'il faut pas que je rebaisse encore? Là, le son du jeu est un peu bas. J'ai mis un faux.
3 heures de cooldown. Écoutez, je vais mettre 3 minutes. Là, on est à 2 minutes. Non, mais c'est bien, ça me permet de tester. 180 secondes. Voilà. Oh, les petits trucs! Non, mais c'est vrai qu'il était, il était quand même beau comme ça, hein! Là, c'est les bordures qui sont parfois bizarres. Mais le reste, c'est tellement irréprochable. Ouais, c'est ça. C'est les contours, voilà, plus précisément. C'est les contours de certains objets, des écrans. Mais le reste est irréprochable, regardez ça! On va voir les logs de Lux. Non! C'est bon, une fois, je vous ai déjà demandé des infos. Je vous ai déjà demandé de me donner un mot de passe. Attendez, par contre, mon shadow, il y en a trop. Je vais en mettre un peu moins. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est léger, là, c'est soft, là, c'est bien. Ça me donne un peu de relief. Tu peux monter la résolution, ça fera plus ça. Je crois que j'ai tout à fond, je crois. Hein. Je dis peut-être des bêtises. Ultra. Alors, le SSAO. Occlusion ambiante. De l'espace à l'écran. Ça, je sais pas trop ce que c'est, le SSAO. Filtrage des textures, j'ai anisotrope, je sais pas ce que c'est non plus. Et anti-crénelage. Les ombrages, hein. Bah sinon, moi je suis en ultra, moi. Ah, anti-crénelage, d'accord. Mais je peux que le baisser, je peux pas l'augmenter s'il est grisé. Ah, c'était T2. C'est mieux T2, c'est ça? Ou FXXAA. Putain, j'ai jamais su ce que c'était tout ça et pourtant je l'ai dans tous les jeux, quoi. Je sais pas, à vue. Vas-y, je fais FXAA. Oui. Ça a l'air moins bien. Non, ça a l'air moins bien, ça a l'air moins bien. J'en sais rien, en fait. Je vais mettre SMA T2. Difficile à dire. C'est bien là. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. De loin en tout cas, quand je regarde certains écrans. J'ai l'impression que c'est mieux. Pas tous. Pas quand c'est de trop loin. Ouais, j'ai l'impression. Mais bon. On voit moins le pixel, les contours. Ok, ok. Et ben ça a l'air bien ça. Oh là là, regardez comme c'est stylé. J'ai enlevé aussi le flou cinétique normalement. Même si j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit flou. Porte fermée. Mince. Faut que je me load quelque part, c'est ça? Parce que j'écoutais pas, moi. J'étais sur mon animation de stream classique. T'es trop occupé. Replay. Habillez-vous. Attention, t'es pas mon père. L'entièreté de jeu, c'est que tu loques quelque part de toute façon. Je m'en rappelle pas assez. Je me rappelle de scènes du jeu. Je me rappelle d'endroit. Je me rappelle aussi du lance-flamme qui était très, très pratique, mais qui arrive pas tout de suite. Des trucs comme ça, mais je me rappelle pas vraiment de la progression, de comment ça se passe. Je sais qu'on va aller à différents endroits et tout, mais je sais plus comment. Attends. Ah, je peux tout prendre, tout ramasser. Toi, t'es trop aigu, toi. Ah, c'est la sauvegarde! Ah, je me rappelle même pas, par exemple, de ça. Quoi qui est aigu? Trop aigu. Pistolet, nanana, agent collant. Bon, je pense que de toute façon.
Je suis déjà dans une certaine tension, moi. Ah, ok, je vois que... Ah, d'accord. Donc, le plus faible par rapport au anti-crénelage, c'est justement le FXA machin. Ok. Parce que ça optimise. Ça me permet d'optimiser mes ressources. Mais du coup, c'est moins clean. Ah, mince, je voulais pas du tout faire ça. Ah, ça doit être en QWERTY sur le terminal. Oui. Oui, ça fait bip. Je sais pas ce qui fait bip. Attends. Mais c'est bizarre. Arrête de faire bip! C'est quoi qui fait bip? C'est toi qui fait bip? Mais c'est insupportable! Ça va faire bip tout le temps? Un jeu d'il y a 10 ans, oui. Attends, E sélectionné du coup. Et je peux pas faire défiler? Ah si, comme ça. Je cherche un officier navigateur, j'ai un ami qui vient de prendre son vaisseau et qui est à la recherche d'un boulot. Je peux me porter garant machin. C'est de plus en plus dur pour les petites entreprises de décrocher des contrats, ma bonne dame. Et puis en plus, il n'y a plus de saison. Il paraît que machin paye bien. M'étonnerait ça. Bonne route à toi, si tu connais la chanson, si tu peux pas te battre, autant les rejoindre, pas vrai? Faudrait qu'on se capte pour le retour. À ton retour. Ah oui, c'est à retour. Et ça, c'est quoi? Sélectionner, ok. Ok, j'ai lu. Je vais sauvegarder maintenant que j'ai lu. Arrête de biper, je t'en supplie. Mais c'est pas ça qui bip! C'est quoi qui bip? C'est autre chose qui bip. Je sais pas ce que c'est, mais c'est autre chose. Ah, s'habiller! Bip bip boop! Dans le jeu, faut pas avoir un problème avec les bips. Bon, j'ai bien un problème avec les bips et je vais bien baisser les sons ambiants. Non, je vais voir s'il y a des sons autres que... Oh. Pourquoi ils mettent une seule barre pour effet sonore et cinématique? Pourquoi une seule barre pour tout ça? Tout ça? Ça dégoûte! La dégoût, c'est pas ça qui bip parce que quand je suis dessus, il continue à biper. Faut que je m'en aller. Non mais c'est bon, je t'entends encore. Oh, c'est stylé. Faut au moins ça pour te stresser un peu plus. C'est pas stressé, c'est énervé. Moi, les bips, c'est pas que c'est stressant, c'est que c'est énervant. Comme quelqu'un qui viendrait tapoter un petit... Je sais pas, le petit coin de la tête, comme ça. Tout le temps, voilà. C'est pas stressant, hein. C'est juste, t'as envie de lui couper la main. Bah là, c'est pareil. J'ai envie de lui couper la main au bip. Yo, big soldier. Oh, elle humaine, une maman tortue dit à son fils, ne t'éloigne pas trop, le bus passe dans une heure. Le bus? Mais la voix, elle sait même pas dire le mot bus. Une maman tortue dit à son fils, ne t'éloigne pas trop, le bus passe dans... Ah oui. Je me suis dit, mais pourquoi j'entends... Je sens tapoter mon visage. J'ai pas compris. En fait, c'est une manière de dire... ne t'éloigne pas trop parce que tu vas mettre plus d'une heure à revenir et le bus passe dans une heure, c'est une manière de dire, ils sont très lents. Mais je suis d'accord qu'il y a sûrement moyen de le dire plus, de manière plus drôle. Pour pas se faire écraser par le bus. Ah bon? Ah moi, alors j'ai pas compris alors. J'ai quoi sur le casque? Ah mais oui, ça fait longtemps que t'es pas passé, j'en ai toujours un sur mon casque maintenant. Hein. Il a des skins différents, faut que j'en fasse un de Noël. Attendez, il fallait que je fasse un truc, c'était quoi? Je vais peut-être baisser encore un petit peu là. Ça aurait été mieux avec un escargot. Oui. Oui, parce que c'est plus commun, un escargot écrasé. Si c'est rapport avec ça. C'est rapport avec la lenteur ou le fait d'être écrasé? Attendez, je baisse un peu le texte sous speech. Moi, je le vois qu'il est un peu trop fort. Voilà. Je crois que ça fait quelques années. Eh ben, salut! Re à toi. Re bienvenue. Ouah, j'adore! Un parc d'attractions alien. Bon, t'aurais vite fait le tour, mais trop stylé.
Attendez, ma GoXLR gêne mon clavier qui gêne ma souris. Faut que je décale un tout petit peu la GoXLR, mais attention, très doucement, sinon elle pète un plomb. Les deux peut-être, c'est mal formulé. Ouais, je pense qu'il y a moyen de reformuler autrement. Tu voulais jouer à Star Citizen, fallait le dire. Bah, ça va, hein. Là, j'ai quand même tous les avantages. Bon, vous êtes pas là. Taylor, bonjour. Coucou. Il y a rien de bon dans cette journée. Pas qu'il fasse jour, non. Pardon. Je me sens trop mal. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, bébou? Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hyper-sommeil si souvent. On s'y est habitué. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. Je vais m'asseoir. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et... Mais c'est vrai, hein. C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? Ah, je trouve de la camelote. Qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Qu'est-ce que c'est? J'ai un chargement. Oh là là, beaucoup de textes. Vaisseau de marchandises. En 2122, le vaisseau de marchandises de Wayland Yutani USCSS Nostromo a disparu. On a retrouvé aucune trace de sa charge. Je devrais peut-être parler un petit peu plus en RP. Ah ouais, mais non, ça va tout niquer, ça. Ah, faudrait que je parle peut-être un petit peu comme ça. Ouais, voilà, là, c'est bien. Là, c'est super, là. Là, c'est super. On n'a trouvé aucune trace de sa charge ou même de son équipage. Équipe excepté le nouvel officier scientifique. Le reste de l'équipage avait déjà travaillé ensemble auparavant. Ils étaient au nom de professionnel. Dallas, capitaine. H, officier scientifique. Kane, à moins que ce soit Kane. Ou Kane, à moins que ce soit Kane. Second officier. Ripley, lieutenant, Lambert, navigatrice, Parker, chef ingénieur, Brett, technicien. Le Wayland Yutani a perdu énormément d'argent. Ça fait un peu tâche sur son historique. J'ai l'impression qu'ils évitent de le mentionner. Enfin, je vais essayer de trouver les fichiers plus tard. Histoire d'éclaircir quelques points. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main pour les tirer. Hein, de quoi? Pour les trier. Peut-être que votre chance déteindra sur moi. J'ai entendu dire que les chefs vous... sur un truc important, signé Saul. Ok, nickel. J'ai rien lu. J'ai rien suivi de ce que j'ai lu. On va éviter de faire ça. Hein. Ah oui, non, après faut que je fasse ça. Après faut que je fasse ça. Après faut que je fasse ça. Ouais, bon, j'ai compris. Résumé du premier film. Oui, oui, j'ai reconnu les noms. Et puis, bah, résumé de l'intro un peu. Plus ou moins. Qu'est-ce que je fais? Je suis folle. J'ai pété un plomb. Je suis dans une boucle infernale. Je fais la même chose. Sortez-moi des backrooms. Ok. Je m'en vais. Porte fermée. Bon bah bisous. J'ai tout looté, moi. Genre... là, là. Y'a rien pris, là. Y'a rien. Ok. Ah si, j'ai un tab. Il est où, machin, Samuel? Petit Sam. Ok, je peux passer des deux côtés. Mais oui, mais je l'ai vu. Il était dans son labo. Je l'ai vu, je l'ai vu. Bam, bam, bam. Merci beaucoup, pardon. Merci beaucoup. Merci Dragon Steel. Merci pour l'abo avec le Prime. Merci beaucoup. Ah oui, explorer le torrent. Merci. Bah je l'explore, j'explore. Merci beaucoup pour le Prime, c'est adorable. Merci, merci. Ah, Ripley. Samuels. Oui. Vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que... J'étais justement en train d'inspecter les installations du torrent. C'est un vaisseau bien entretenu. C'est un androïde, lui? Un robot? Un truc? Au Nostromo? Oui. Un modèle
intéressant, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience. Un synthétique en... Merci. Le sommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Selon les films, je confonds. Je confonds les robots, désolé. Une employée très compétente. Nathalie Robot. Elle ne doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Si t'écoutais pas, je suis désolé. Parle à Samuel. Attends, avant, je vais voir ce que je peux faire, si je peux faire des bliblou. On est arrivé. Ok. Faut ranger le lit, hein. Moi, je range, moi. Voilà. On défeuille un peu. Voilà, voilà, j'ai rangé le lit. Oh, tu... Hey. Petite journée rondement menée. On va faire les courses et puis on va manger. La van life, la chambre d'enfant dans une van life. Putain, c'est tellement ça. On a regardé lundi des gens qui mettaient en avant la van life avec des enfants. Et eux a fait une super chambre. Et les gamins avaient vraiment... voilà, leur chambre, c'était juste un lit comme ça. Mais souvent, il y avait aussi un gamin en dessous et un gamin au-dessus. Pareil, dans ça. Avec un petit rideau. Mais c'était content, hein. Il y en avait même dormé par terre. Donc bon, ça pourrait être pire. C'est vrai que c'était complètement ça. Non, non, mais à part ça, ils sont hyper heureux. Alors. Ah mince, mais je suis allée totalement du mauvais côté. Mais enfin. Je cours. Ah, je peux pas. Je peux mettre sur la pointe des pieds et regarder un peu comme ça. C'est quand je fais contrôle. Contrôle, ça accroupit pas, ça fait... Ouais, c'est pour s'accroupir, ça va être chiant, je vais devoir le changer. Ah, mais je peux peut-être pas. Attention. Ah, je vérifie. Ah, il y a quelque chose là? Non, c'est bon. Ok. J'essaie de le faire en RP. Attention. Attention, je ne mets qu'une tête. Ah. Coucou. Ah, aïe. C'est J'espère Garbor. Que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le terrain est pas... Oh. Contactez le Marshal Waits. Mademoiselle Taylor, mission de routine. Et j'ai un super pouvoir, regardez. Comment ça se présente? Je vais vous montrer. Sur. Hop. Là, je vois un peu tes genoux. Est-ce que vous avez tout? Mais oui, t'inquiète. Au pire, je demanderai une feuille double à la classe. Je vais m'asseoir quelque part, moi. Ah! Ramasser le briefing. C'est bon, j'ai mes devoirs. Est-ce qu'on pourrait voir? Là, je peux leur faire la bise. Prendre contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. Ah, c'est les cinématiques qui galèrent finalement un peu plus. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Sinclair, immatriculé MSV. Mini cabane dans la chambre, j'aurais adoré ça. Ah non, mais t'avais pas de chambre, c'est ça le truc. Je transporte avec moi. Dans la van life, y'a pas de chambre. De la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Marshal? Marshal, ici le Torrens, répétez. Non! La sauvée de Dieu de copain! T'appelles téléphonique en 2024. Non, hein. Découvrir Teams, faire découvrir Teams à. De la station ont l'air bousillées. À des vieux qui n'ont jamais fait. De Samuel, avec un post-confinement. Des vieux. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. Vous aurez tout compris, nickel.
Bon voyage. Ah, c'est vrai qu'elle suit bizarre. T'as raison, je te dis bien, il y a un truc. Venez. On comptera par les pas de foutues sorties dans l'espace. C'est la seule option. Ah, ça va être le moment stylé. Si tu fais ce que je te dis. Dépressurisation. Oh putain, je déteste ça. Reste derrière moi, Taylor. Et vous aussi, Samuels. Bien sûr. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça, la lumière se reflète trop sur le liquide. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. Du coup, on dirait que c'est de l'huile. Tu t'en sors bien, Taylor. Ah, oh, the famous last word. Last words. Taylor, Ripley, tenez-vous. Attendez, il faut que je fasse des têtes. Oh non, c'est le mauvais. Bon, en vrai, je me rappelais de ça, je me rappelais. Plus ou moins. Mais alors, j'avais en tête qu'on le jouait ce moment, par contre. Mais c'est peut-être plus tard dans le jeu. Je voulais pas taper. Je voulais apparaître de manière furtive, mais ça m'a fait taper le micro, désolé. Professionnel. Merci. Ça a cancel le son, nous, ça va. Ah, cool. Ça, je l'ai pas entendu dans mon casque. Mais bon, j'ai entendu fort proche, donc ça aurait pu être... Ah, mais oui, non, mais c'est qu'on joue quand même en tenue. Mais il me semble qu'on joue un peu dans l'espace. Mais soit c'est plus tard, soit je suis folle. Trouver de l'aide. Tu veux faire. Elle ressort direct dehors, game over. Et sans la tenue. Hop là, allez, je me barre. Du coup, je suis en... Ah non, ça va, j'ai des baskets. Je me demandais si j'étais en sous-vêtements. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression. Ah, c'est le bip. C'est ça, c'est les bandes d'enregistrement qui font bip. Tu les repères. Et ben, c'est hyper relou. Même si le principe est logique, et parce que bah comme ça tu sais qu'il y en a une pas loin, et tu peux te repérer comme ça, mais c'est hyper relou. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est T7, coucou. Non, c'est bon. Ah non, il y a rien à looter. Là je peux courir. Je peux faire aussi sur mode épée. Ah mais c'est juste elle tend les genoux. Elle m'étend plus souvent les genoux. T'as vu tous les centimètres que tu gagnes? Ah, cette ambiance, j'adore. Elle vient Michou, la meuf, se trimballe toujours comme ça là. Bah ouais. As-tu tenté de tendre les genoux? Écoute, faut tester, hanté. C'est hyper impressionnant. Je pense que c'est pas par là. Ah, je pense que c'est par là. Grimper. Eh, j'ai mis le gamma assez élevé, hein. Bah malgré tout, y a pas tant de gamma, hein. Non, pas tant, hein. Pas cela, c'est des connards, on ne joue pas avec eux. Merci Praline. Merci beaucoup pour Raid. Les Raiders, n'hésitez pas à faire !! PTDR si vous voulez. Ah bah non, c'est que pour les abos. Mais il y a les points de chaîne aussi qui marchent.
N'hésitez pas pour vous accueillir dans la joie et la bonne humeur. LUL, si je télécharge illégalement depuis la Martinique. Je suis un pirate des Caraïbes. Par Infernal Angelus. Elle vient juste d'être ajoutée. Punaise, Durs, il l'a rajoutée là pendant qu'on discute. Mais incroyable. Merci, Durs, il est exceptionnel. Tu ouvres la porte, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus grand chose si j'ouvre la porte. Merci, Praline, j'espère que ça va. Durs, il bosse de fou. Mais oui. Je valide au fur et à mesure. On a, voilà, c'est grâce à Durs, hein, n'hésitez pas à utiliser Twitch chat, voilà, je pourrais que le dire. Merci beaucoup pour le raid, on redécouvre, pour ma part et pour une partie du chat, Alien Isolation, mais... Et coucou, c'est qui? C'est Brimbois, coucou Brimbois. Mais moi j'y ai déjà joué, mais jamais fini. Et là on est vraiment à la première heure de jeu, même pas à la première demi-heure de jeu. T'en parlais la dernière fois, oui. Dernier event de la saison, oh, ça s'est bien passé. T'as joué, t'as stream. Ah ouais, quand même, presque 5 heures. Presque 5 heures. Donc j'imagine que ça s'est bien passé. Attends, je peux me relever? Ah oui, comme ça. Bon, je vais peut-être pas aller là du coup. Hein. Mais regardez, hein, j'ai mis le gamma presque. Enfin, j'ai mis vraiment loin sur la barre de la luminosité. Bah, j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait. Hein. C'est catastrophique mais très fun. Est-ce que c'est pas la meilleure manière finalement de faire, de faire le dernier event de la saison? Moi je trouve que c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir choisi pour le raid. Et puis vraiment on est dans la première demi-heure de jeu, s'il y en a qui connaissent le jeu ou pas, qui veulent pas se spoil, bah voilà, on est vraiment tout début. Donc vous n'avez rien vu pour le moment qui vous spoilera, de dangereux. Et sachez que c'est pas, que le jeu il a 10 ans, il a cette gueule là. Voilà, je sais, tout le monde dit qu'il est beau le jeu, bah oui je le redis, il est beau le jeu. Mes enfants, vous avez déjà sûrement entendu des bruits qui courent au sujet de Sébastopol. Et je peux que confirmer que c'est officiel, Sébastopol est mis hors de service. Hors de service, personne ne dit ça. J'entrerai plus en détail avec chacun de vous en ce qui concerne vos contrats et affectations, mais en attendant on a encore un travail à faire. Les hauts placés veulent que ce soit fait avec une équipe minimale, ce qui veut dire qu'on aura quelques contractuels extérieurs pour aider et aussi qu'il y a des heures sup. Je vous conseille de prendre tout ce que vous pouvez tant que c'est disponible. Je tiens à préciser que démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici, tout doit être compté, j'escorterai personnellement au Marshall Waits toute personne trouvée en train de se servir dans l'équipement signé chief. Et c'est le chief. Les fichiers corrompus, ok. Des bisous Praline, pas de soucis. Je participe à une course 24 heures au profit du Téléthon. Demain, ok. Oh bah je pourrais passer soutenir. Je pourrais passer normalement. Au moins un peu. Mon courage pour demain, va dodo vite. Et que tout se passe trop bien. Merci beaucoup pour le raid. Et bah justement, il participe à un événement caritatif Praline. Donc si vous voulez bien lâcher un petit follow pour au moins aller voir, aller soutenir et tout ça, c'est quand même bien. Oui, c'est bien. Fin du game. Non, c'est pas faux. Je crois pas. Piquez pas les punaises, sinon je vous balance direct. C'est vraiment ça l'ambiance. C'est complètement ça. On a eu un message de Dwight. Michel. C'est pas mal. Utilisez mouse. Bah, je fais les deux boutons de mouse. Ah, pardon. Faut aller rester appuyé. Quoi? T'arrives pas à utiliser? Au secours! Je me mets à la lumière. Ah, mais c'est que je l'ai déjà. C'est R pour activer, je suis idiote. Pardon. Je crois que c'était pour l'allumer. Si vous lâchez un follow, c'est garanti de pas tomber comme Nox vient de le faire. Probablement. À moins que ça vous fasse clipper dans les backrooms. Peut-être.
Oui, effectivement. Je suis pas vraiment une flippette, donc c'est dans les jeux, hein, dans la vraie vie complètement. Donc normalement, je vais pas hurler toutes les 5 secondes. Par contre, je vais peut-être mourir en boucle, parce que je reste très très nulle. C'est un jeu où faut survivre, quoi. Y'a qu'à me voir jouer à l'étal, quoi. Et après, moi, dans ces jeux-là, en fait, c'est plus le stress de voir mon perso mourir que vraiment le stress de voir le monstre qui fait que... Bah, j'en ai quand même du stress dans ces jeux-là. Tu me touches l'homme, tout à fait. Attends, est-ce que j'ai une petite map? Ah, c'est qu'il y a un objet que j'ai pas vu. J'étais pas conscient. LUL, c'est un schtroumpf qui se cogne contre un meuble. Il s'est fait un bleu. On essaye même plus, hein. LUL, quoi. Là, on est sur du LUL. Ah, ça a pas marché? Ah si, c'est bon. Le mec en bleu, il s'est fait un bleu. LUL. Oh, y'a des booms, là. Ça fait des booms, là. Je vais voir s'il y a des trucs ici avant de monter. Genre un petit truc à looter, car je tout loote toujours. Ah non, j'aurais pu passer par là, juste. Oh, mais là, par contre, il y a un petit truc. Ok. Super bizarre, moi, c'est tout l'inverse. Dans la vie, que je panique de pas grand-chose. Mais colle-moi dans un jeu d'horreur et je suis liquide. Écoute, moi j'ai plus peur des vrais trucs que des trucs virtuels. Mais je pense que c'est juste que j'ai un certain détachement. Non, je vais laisser en fait. Un petit bruit blanc pour me concentrer. Eh oh. Oh. Quelqu'un. Oh, je me rappelle de cette pièce. Je crois que je me rappelle. Attends, peut-être je confonds. Je crois que je me rappelle. Après on pourrait faire un sondage, hein. Plutôt flippette dans la vraie vie, flippette dans les jeux, ou jamais flippette, ou toujours flippette. Ok, faut spammer. Je fais le sondage, ça marche. Une affiche. Tu as le micro activé, il n'y a pas dans les options. Je sais pas si c'est... Enfin apparemment, sous quoi faut modder le jeu. Mais sur Epic, je sais pas trop si c'est possible. Et sinon, soit faut... Bah c'est peut-être que pour la version, je sais pas, PlayStation, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas vu dans les options. Si tu cherches notre stock, je l'ai bougé, je l'avais laissé un peu mieux n'importe où. 0340. J'ai placé dans un casier. Débarque dans une banque pour la braquer, que personne ne bouse. J'ai planqué dans un des KGB. Je devrais pouvoir le trouver, le code c'est 0340. 0340 sinon. Ok. Ah mince, je voulais descendre. Je voulais désélectionner. Je peux pas descendre? Partager audio? Je peux pas aller en audio? Ah si. Avis à la population démantèlement de la station Sébastopol. Avec regret que nous arrivons à la fin, machin. Ok.
couper le courant. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout se fout. Sondage en cours. Wait, terminé. Vous êtes plutôt flippette dans les jeux vidéo, dans la vraie vie, dans les deux ou jamais? Embranchement, rétablir le courant. Okay. J'ai rétabli le courant. Je vais peut-être sauvegarder maintenant que j'ai fait ça. Ah, c'est là. On a vu des gens courir. Peut-être pas aller tout de suite là, j'ai vu des gens courir. Ils ont fermé derrière eux. Ah, il y a du loot, j'avais pas fait gaffe. Ah, il y avait pas le courant, c'est normal. Je prends tout sans trier pour le moment. Pistolet à seringue. J'ai trouvé le schéma utilisé pour accéder. C'est ça ? Il gauche pour fabriquer. Oh, je me rappelle pas de tout ça, dis donc. Oh, l'interface est... stylisée. Et pour fabriquer. Je clique là. Trois fois. Tac, tac, tac. Non ? Je comprends rien ! Pour soigner, oui. Progression du medikit. Comment je fais un medikit? Ah. D'accord. J'avais rien compris. Mais rien du tout. Mais j'ai fabriqué un medikit. J'ai un peu de vie en moi en plus. C'est à cause de la chute. La chute, elle est en scénario, mais elle t'enlève de la vie. Professionnel. Merci. Utiliser mais pas très intuitive, ouais. Ah c'est... ça va. C'est juste que t'as beaucoup d'infos d'un coup. Et vu que c'est une interface vachement... vachement... c'est pas cru, même si c'est pas le bon mot. Ça fait hyper peur, j'en peux plus. Ah, c'est vrai que c'est pas contrôle pour s'accroupir. Je peux peut-être aller dans les paramètres quand même. Mais en tout cas, si vous avez des infos pour le mode... Oh mais ce serait trop chiant. Ah, je me rappelle de cet endroit. Si vous avez des infos pour le mode où faut que je fasse gaffe avec mon micro. Mais en même temps, ça veut dire que pendant tout le jeu, je peux pas vous parler. Et en même temps, pour les gens qui regardent, c'est peut-être mieux. De ça. Pour moi, c'était comme un centre commercial dans ma tête. C'est un peu ça, en fait. On n'a pas de barre d'endurance, j'étais plus sûre.
Ok. Ah, c'est quoi ça? C'est pour le courant, j'imagine. Alors, je suis où? Contacter le Torrens, mais je dois aller où? Bonne nuit, Tiboual, bon dodo! C'est où là? On est dans le Sébastopol, donc si je dis pas de bêtises, c'est la grande cité qu'on a vue, dans laquelle on s'est réfugié après l'accident là, tout à l'heure. Et maintenant, le but, c'est qu'on vienne nous chercher. Et on a vu le Torrens qui est censé venir nous chercher. Et du coup, moi, je suis là, mais il faut que j'aille quelque part en particulier. Ils me disent de contacter, mais je sais pas comment. Peut-être avoir l'info bientôt. Oh, il y a des bandes d'arcade. Oh non, ça c'est trop cruel. Ça c'est trop cruel, je m'en souviendrai en même temps s'il y avait des bandes d'arcade jouables. Mais ça aurait pu être un petit rajout. Oh, c'est trop cruel, cette bande d'arcade jouable. Ouah, la lampe, elle avait vraiment sa propre vie. Petite save. Mais j'aurais dû loot à la pièce avant. Je m'en mets pour avoir des jeux d'arcade. C'est vrai que ça manque, ça. Quand il y a une borne d'arcade dans un jeu, il faut que ce soit jouable. Sinon, c'est trop cruel. Désolée, je n'ai pas besoin que tu viennes. La semaine prochaine, tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aile depuis quelques temps. Déjà, je ne pourrai plus revenir. Nanana. Les créanciers blablablou. Comment je fais? Je peux faire ça. À tous les employés du À tous les employés du terminal des vols spatiaux, dans l'intérêt de sécurité publique et afin d'éviter la panique, il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol au départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles. Voilà, ne paniquez pas, vous êtes complètement bloqués et prisonniers. Comme ça c'est fait. Les marchands de l'économie sont actuellement en train d'enquêter sur les problèmes qui affectent la station et communiqueront par la suite. Effectivement, pourquoi s'inquiéter? Pour éviter les mouvements de panique, je tiens à préciser que vous êtes prisonnier. Voilà, donc pas besoin de courir partout, je vous irai nulle part. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas rassuré d'un coup? Est-ce que la panique a été parfaitement gérée? Je pense que oui. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Ouais, c'est un peu logique. Retentit. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que petit Corentin est à plein l'accueil. Bonne nuit, Sam. Mort de fatigue, c'est la fatigue. Fatigue. Et bon courage pour le réveil tôt. Je suis réveillé tôt aujourd'hui aussi. 14h. Si, c'est tôt. C'est hyper tôt. Oh, j'adore ça. J'ai même pas envie d'allumer mon fumigène pour rester dans cette ambiance. Du matin, c'est tranquille, moi je me lève à 7h de la nuit. Ouais, je comprends, mais je m'étais endormie à 9h de la nuit. Voire presque 10h. Je comprends. Bah du coup, autant pas dormir. Toujours des bons conseils. Tout est en train de partir en morceaux. Des bisous. La bonne nuit.
est en train de partir en morceaux. Bah ouais, mais ça on l'a vu aussi un peu de l'extérieur. Est-ce que je peux escalader? Non, pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression. Peut-être que... Ouh, c'est qui? Ouh, ça marre. Ah, je peux peut-être aller là. Ah, je peux faire ça. Fantastique. Regardez, attention. Je me mets sur la pointe des pieds. Voilà. Allez, j'ai pas compris. Non, parce qu'on a toujours ce super pouvoir. LUL, quel est le sport le plus sympa? Le tennis, car on rend beaucoup de services. Je pense que la blague du tennis, faudrait la mettre en stat. Faudrait mettre rare en stat. En stat de pop, là. Elle est un peu trop commune. Regardez, regardez, ça fait des... pardon, pardon. Ouais, j'ai voulu me copier. Mais je suis sûr qu'il y a pas. Ah! Merci beaucoup pour le follow! J'ai pas vu. Si, j'ai vu. Merci le Warden. Bienvenue. La blague du tennis rebondit un peu trop. Très fin ça! T'es bien dans l'ambiance, Koopa, chill. Watch. Mais je suis sûr qu'en plus t'as plein, t'en as vraiment beaucoup. Quasi 250 places. Arrête de tourner en rond au hasard! Mais ouais, ouais, mais je m'en doutais en plus! Juste moi, je vais avoir la chance d'avoir les 4 mêmes. J'en suis sûre. J'ai un problème de droite dans mon jeu. Je sais pas où placer ma villa sur mon terrain. Ah, place-en plusieurs. Pourquoi choisir, finalement? Regardez, c'est des 4. L'ambiance est trop bien, je suis trop fan. Mâchure les cadavres, non! Routine maintenance requis. Ok. Attends, pour le moment, je me balade, hein, j'ai pas grand chose à faire à part ça. Tu me mets sur la pointe des pieds. Il est bien décédé. C'est pratique la pointe des pieds en vrai. Moi, je fais ça souvent dans la vraie vie, mais dans les jeux, j'ai rarement l'occasion. J'ai visité la grande salle. C'est peut-être là-bas que je peux trouver mon outil. Je l'ai pas vraiment visité. J'aime bien cette sensation de présence que t'as tout le temps de par le bruit. Les petits bruits permanents pour te faire stresser. J'aime beaucoup. Non, t'es, elle marche sur nos morts. Moi, je marche pas sur nos morts. Par contre, je cours sur nos morts. Ça doit sûrement être la sortie. Petite maintenance requis. On va monter. C'est chill finalement ce jeu. Bon, oui. C'est Alien quoi. Ah, petite save, je vais vider les... Wow, wow. Ah, c'est pour me cacher, ça m'a mis une pression. Ah, fais ça avec tant de précipitation. Ça m'a tendu. Moi, je pensais que c'était pour looter.
Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans mes pièces à conviction. Oh, j'avais l'impression qu'il commençait à rôter dans sa phrase. Il parlait de poivreau, pourquoi pas, je ne sais pas. Je trace ma route. Effectivement, effectivement, j'ai beaucoup de résilience, vous savez. What? LTED, LTED top. Hein? Je ne sais pas lire l'anglais à l'envers. Je pense que voilà, c'est une compétence que j'ai pas. J'aurais essayé. Ah, c'est un. Ah, mais il n'y a pas un T devant. Ah, c'est un I. Putain, je pensais que c'était un T. Like to us. Ok, bravo. Tu as cette compétence en T. Oh. Ne la pète pas trop. Hein. Oh, il y a une boule. Le pendant sur Marple. J'ai vu. Merde. Ah, il y a de la musique avant que je voie. C'est un cadavre plus inquiétant que les autres. Il y a des bruits de pas, il y a des bruits de pas. Je vais déjà lire ça pendant que je loot. Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte. La plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous avez tout? Très bien. Ça dure une minute son audio. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger. C'est leur boulot. S'il y a un truc sur la station avec nous, et personne sait ce que c'est. Ça me saoulait, ça faisait trop de bruit. Ils nous disent pas, les Marshall. Ils nous ont juste enfermés. C'est con. Je veux déposer une plainte. J'ai déjà dit non. Ça, c'est l'outil pour ouvrir les portes. J'ai plus besoin de toi. J'ai vraiment. Putain, j'écris trop. Personne n'est venu. Il y a plein de Minitel. Je m'appelle ici. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais sûrement à ce qu'on voit ici. C'est le vrai cul, c'est pas A. Ok. C'est le vrai cul. C'est pas du QWERTY. C'est vrai. Merci de le rappeler en T, je voulais y penser. Et puis j'y ai pas pensé. Il y a un event Discord, même deux d'affilée, demain. Sur le Didi. Alors, bah venez. Il y a une watch party, puis du jeu. Puis un petit codename ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Merci de le rappeler. Je voulais le faire en début de stream, puis j'ai oublié. Merci pour tous ces petits culs. Elle est vachement haute, la table. Comme ça, je peux me cacher dessous, ok. Mais nous, on n'est pas très grande. LULD, Fiduc et Donald Duck se bagarrent. Qu'est-ce que ça fait? Un conflit de canards. Jeu de l'entretien, Aist. C'est pas mal. Je l'ai bien prononcé. Aist. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a
tous mis dans un bordel pas possible. Ah, ça, c'est une salle d'interrogatoire. Je vais rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non ? Sur à cuire, c'est ça. Turner, arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Ouais, la musique, elle a fait... Ah, pas non ? Tout est comme d'hab, non ? Il y a un truc que j'aurais dû voir, j'ai pas vu un truc que j'aurais dû voir. Oui. Attends, ma souris... Alors. Eh, j'ai réglé au pif la sensi, elle a l'air pas trop mal. Oh, peut-être un petit peu légère. Mais c'est le genre de jeu où on va pas tant utiliser... Ah si, quand même. Un petit peu. Sans doute... Sans doute un rat de l'espace. Du coup, je peux ouvrir cette porte. Mais avant... Je dis ça très fort. Avant, il y avait un endroit ici. Droit d'abord. J'ai fait dans l'autre sens, ça a pas marché. Il y a quand même une technique. Il y a quand même du gameplay. Exploratrice de l'univers. Mais oui, j'ai juste une exploratrice du gaming. Aventurière plus. Mais exploratrice, ça passe très bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! D'accord. Pile. Ou une lampe torche. Ou des piles de lampe torche. Coucou Teru ! Ça va ou quoi ? Ça va bien. Ça visite une petite station spatiale là. Au calme, comme tu peux voir, on est posé, t'as vu. On est posé avec la chim. Et toi, ça va, Tedo? J'aime trop me promener dans le jeu. J'aime beaucoup. Alors ça, c'était autre chose? Ouais. Mais là peut-être... Ah non, c'était aussi autre chose. Ok. Et ben on se casse. Je vais pouvoir ouvrir la porte principale. Dans un premier temps. Peut-être une save ici? Ah non, c'est pas ici. J'ai cru. T'as l'air plus à l'aise que dans le camion de l'espace. Oh, le camion de l'espace, ça m'a tendu là. On pouvait pas s'amuser. Moi j'aime bien m'amuser, regardez. Vous voyez qu'il y a du fun? Non, faut pas faire ça. D'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal, ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Un alien criminel qui te braque. Mais ça, c'est bien le dernier. Un alien du 9-3, il me braque. Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur! Tu comprends? D'accord. C'est pas moi, je vous jure. Et toi, t'es qui? C'est hanté, putain! C'est un alien antémoniaque qui me braque parce qu'il y a du 9-3. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Un zoom un petit peu plus... Un petit peu énervé. Un petit peu pas très cadré, le zoom, quoi. J'ai besoin de contacter mon appareil. Un homme, un ours, un alien, on choisit quoi? Alors là, c'est ton jour de chance. Eh oui, c'est le bro. C'est parti, poupée. Sixon Communication se trouve dans la tour Systech. Il est bien du 9-3. C'est le bro. Mais on peut atteindre un transit par la zone de... Ça, je prends. Ah non, pardon. Je suis toujours sur un PayPal. Le dernier joint de transmission, ça m'a pris un peu de temps, mais il est... D'accord,
Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Pardon. Mais on me dit toujours de manier le cul. Rendez-vous à la gare. Bah c'est derrière moi alors. La musique a baissé. Professionnel. En fait, ah oui, il n'y a pas eu de bruitage presque. Pendant quelques secondes. C'était toi qui me suivais là. Non. J'étais pas concentré, c'est tout. Reste à côté de moi. Quoi ? Hé ! Prends un geste ! Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous ? Moi, c'est John. Tu vous, c'est qui, vous ? C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jana. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider ? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jana, tirons-nous d'ici, ok ? Je suis désolée. Bonne chance. Coucou le plaid, hein ? Je veux savoir à quoi tu joues. Pourquoi tu leur aboies dessus ? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. Tout le monde a les boules. Alors du coup, bah moi aussi. J'ai ramassé un truc, ça a fait du feu plus fort. Ah, je peux pas courir avec ça à la main. Ah ou c'est peut-être juste parce que je suis en... C'est juste là, le moment qui fait que je peux pas. Ça m'étonne quand même. Ah ouais, non, je peux pas courir. Ah, petite save, attends. Super pour la survie, ça. Oui, c'est vrai. Non, je pense que voilà, c'est parce que je suis dans une phase où on marche en discutant. Tu permets ? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. T'as raté, hein. Ah non. Enfin, te la pète pas, toi, non plus. Qu'est-ce que t'attends comme ça ? Mais un bouton. Mais deux secondes ! Juste. Tu sais, c'est impatience. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Ah, elle est énervée. Tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Salut Carlo Gomez. Quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. Sauf que toi, t'as les cheveux chauds. Et pas dans 107 ans. Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Ah, mais ils savent même pas, je m'en veux pas ça. Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non, c'est autre chose. Un monstre. Et oui, ça va. Ça redécouvre le jeu avec plaisir. Pour le moment, c'est trop bien. J'ai envie d'aller aux toilettes, par contre, je fais une petite pause après. Quand on aura terminé, je sais pas. Quand on arrivera à un moment où c'est logique. Wow, c'est des conneries. Ah, on ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Je pouvais faire contrôle, pourquoi ? Il y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps ? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein ? Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. Contrôle pour t'accroupir. Mais c'est pas vrai, c'est C. Mais attends, ça veut dire que je peux changer sûrement alors. Contrôle, ça me fait aller sur la pointe des pieds. Bon, Lurk. Ah, c'est juste en dessous. Et c'était où ? Ah, c'est scruté. Eh ben scruté, je vais mettre C alors. Ok. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi.
c'est vrai que Nightbot... Nightbot, il vous dit de pas backseat, mais par contre, lui, il n'hésite pas à vraiment toutes les secondes. Le dessert préféré des pompiers. La crème brûlée. Merci, hein, de me couper la parole pour ça. Des amis à toi ? C'est super. Ceci pour se pencher. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est quand même accessible. Mais moi, contrôle est plus accessible pour moi. Si tu veux y aller, leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça. Allez, avance ton cul. Allez. J'avance en reculant. On se retourne tous les uns pour les autres. La peur, ça rend les gens complètement seuls. J'avais remarqué. Bah, c'est toi-même qui as menacé des gens, hein. C'est eux qui l'ont fait, peut-être. Je sais plus. Qui s'est menacé en premier tout à l'heure ? C'est là-dedans que tu vis ? Bon, je crois que c'est de bourgeoise. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Surtout que ça va, hein. Franchement, ça... Ça fait aucun effort, mais Une semaine que je me tais ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. Ah, ça fait une semaine, j'avais pas capté. Je crois que ça faisait plus longtemps. Replay de droite. Torche là-bas. Oublie pas de faire le plein de fil. Oui, tout à fait. T'as dit ça de manière tellement convaincante. Tu peux faire le plein de pile avant de partir. Un lapsus, ça j'aime pas. Allez, t'attends quoi là? Ramasse la lampe torche. Mais elle est où? Je la vois pas! Faut pas que je crie. Les piles? Ah, c'est bon, je l'ai! Ah, mais d'accord, moi je pensais que c'est. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe que c'était une lampe torche, quoi. Mais ok, ok. Tu feras gaffe de pas l'allumer. Il a même de quoi sauvegarder, lui aussi, oui. Ah, oh, j'ai trop de capelotes. J'allais faire la blague, c'est à force de voir Aurel, mais bon... Je l'ai faite quand même sans la faire vraiment, sachez-le. C'est par là. Mais moi, je... Chiant. Bon, j'ai pas pu sauvegarder. Et maintenant ? Bonne nuit, Fernalou. Il y en a un autre, quelque part par là. J'ai laissé une marque. Comment j'allume ma lampe torche, par contre ? On m'a beaucoup... Ah, merci. Allez, à plus tard, Bernard. J'ai plus de paye. Moi je me dépaye. Attends. Non. F, mais il me dit que j'ai pas de piles. Sauf que j'en ai. Faut que j'aille dans mon inventaire pour les mettre. C'est pas pratique ça. Je comprends pas. Salut Krolitsu. Hello. Ah, j'ai un acouphène dans la vraie vie, je pensais que c'était dans le jeu. Non, c'est pas les bonnes piles, merde. Le fameux double A, triple A, oui oui d'accord. Chiant. Non mais en vrai j'en ai plein des piles. Alors ça me saoule un peu, inventaire. Mais j'en ai plein, pourquoi je peux pas? Il y a un truc que j'ai pas eu le temps de lire en fait. Parce que des fois il donne des indications, donc je les fais. Et elles disparaissent très vite. T'as entendu ça? C'était bon. Toi? Non, j'ai oublié, j'ai utilisé mon medikit. Je pensais que c'était un... Mais si... Bon bah voilà. Bah... Allez. Bah je m'en vais, démerdons-nous. En encore hein. Mais quand je vais allumer il veut pas. Ah, j'ai spammé, ça a mis. Mais c'est pas logique. Tu shoot en stream. On va appuyer sur F longtemps. D'accord. Et bah c'était ça. Tout à fait. Mais moi je trouve que je l'ai mieux expliqué. Mais oui, c'était ça. J'ai pas Axel, le temps, il y a trop d'infos partout. Attends-moi. J'arrive. Okay. Apparemment c'est là. Je savais bien qu'il était par ici. Tu vois,
Je gère, Fougère. Oui, enfin, allez, hein, faites des choses. Ne parle pas trop. On a assez, en fait, du bot, là, qui fait des blagues. Ne t'y mets pas, on va pas survivre. LUL, qu'y a-t-il comme différence entre crocodile et alligator? Presque aucune, ils sont quasiment pareils. Pas très prudent de s'attarder ici. Voilà, tu comprends, Chauveman, j'ai pas son nom. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez? Voilà. C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Mais ça va, parce que franchement, les conduits sont vraiment très très propres. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça? Chut, j'ai entendu un truc. Éteins-moi cette torche! Ouais. Ça s'est fait tout seul. Faut qu'on rejoigne les autres. Y'a un truc qui merde. Y'a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en pétard. Ça sent bien l'ambiance, ces petites blagues. Elle va user les piles. Mais ouais, mais je battais son cul. Oh ça faisait très bizarre. Je sauvegarde. J'ai plein de piles, ça va. J'en ai ramassé encore une là tout à l'heure. C'était au moins les 3/4. Ah ouais, on va pas là-bas, t'es sûr? Je suis sûr qu'il y a du loose, moi. J'arrive. Ah oui, non, c'est la... Oui, d'accord. C'est l'ascenseur. Pas de bruit. Pas de bruit, t'inquiète. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Hein, tu chuchotes? Pourquoi tu chuchotes? Mais t'es où? Ah, t'es là. Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Ouais, je fais moins de bruit là. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Comme une ombre en plein jour. Voilà. J'ai été discrète. Professionnelle. Le mode furtif là. Ah mince, ils sont là. Comment vous m'avez vu? Ça dégoûte. Mou. J'ai écouté, j'ai essayé. Il fallait que je sache. Merci beaucoup pour le sable, moi. Merci Konoker, merci beaucoup. Et coucou à ta femme, Kion. Tu dis bonjour à ta femme de ma part. Elle sait ce que ça veut dire. Non, mais c'est bon, je ne suis rien. J'ai cherché. Mais au début, ça marchait. Au début, ça marchait de fou. Alors, j'ai voulu continuer. Mais c'est que je me suis dit, oh là, on est sur un passage dans le scénarium. Ok. Ok. On va mettre en sourdine ici et n'allume pas cette torche. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le cul. Je suis là, vas-y, viens. Arme à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Oh, qui c'est? Bon là, on est vraiment sur du jeu vidéo, quoi, au niveau de leur comportement. Comment ça sortait d'ici? Créer une diversion pour distraire les pilleurs. C'est ça la diversion, non? Ah, c'est pas ça la diversion. J'ai... Non. Ah mais je suis totalement dans la
Mais qu'est-ce que j'ai pas écouté. Je pense que je suis pas assez concentrée. Ah, le bingo go, faut que je désactive. Quelqu'un a trouvé quelque chose ? Salut Mac de la dalle. Et voilà, on leur a fait peur. LUL, que se passe-t-il quand deux poissons se disputent ? Le ton monte. Je vous tiens ! Écoutez ! Ouais, bon, j'ai pas pigé un truc. Je pense que je devais aller ailleurs avant. Ça sent bien, j'ai même plus de quoi me soigner. Et ouais, faut que je désactive le bingo go, pardon. Craft du heal, ouais, je peux peut-être le faire maintenant. C'était où? C'était comme ça? En plus, j'ai trop de matos. À me souvenir du temps où on n'était pas embourbés dans cette merde. Non, je voulais refermer. Les gars, on est pas. Non. J'ai appuyé sur la même touche pour refermer, pas pour monter. Professionnel. Mais oui, mais je pensais qu'il allait fermer la porte. Je pensais que c'était avancé pour bah, monter et que c'était eux pour refermer, mais non, eux c'était pour remonter. Ok, j'arrête, j'écoute. Je sais, je fais n'importe quoi. J'écoute. Je peux peut-être passer par là en vrai tout à l'heure. Ben ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, je passe par là. Faut que je l'écoute. Faut que je passe par là, peut-être. Non, c'est à d'où je viens. Oh, il m'a poussé. Attends. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Ah, on a pas plus fort qu'on les attaque. De toute façon, on a pas trop de quoi. Comment? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi. Éteindre le générateur, c'est bien ce que je fais, hein. Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe. Des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité. Les verrous que Joe a installés. J'en reviens. Il a pas... C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que... Tu voudrais prendre plus pour la... Qu'il reste des stocks. Pour ça, il faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes. Mais comment je fais pour m'en sortir? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je fasse? Ah mais oui, elle est là, la trappe. Je l'avais pas vu. L'inverse de ce que tu as fait tantôt. C'est vraiment complètement l'inverse, oui. Tout le monde avec moi. Personne là. Qui est là? Et on vous frappe. Et de la fumée. Bah, en tout cas, là, il marche pas. C'est peut-être. En ce moment, ça passe. Ce n'est qu'un rat de l'espace. Space rat. Ah, tu m'as poussé. Oh, il me pousse de partout. Il m'a tellement poussé là, je dirigeais rien du tout. LUL, pourquoi les vaches ne parlent pas?
Parce qu'il est écrit la ferme sur un panneau. Non, on n'a pas trop peur pour te répondre, McDonald's. Bizarrement. Bizarrement, au niveau ambiance. Je sais pas pourquoi. On n'est pas à fond dedans. Je vais pas expliquer, hein. Si moi je suis dedans, mais effectivement, je suis pas flippette de base. Mais j'ai pas envie de mourir. J'espère bien que dans les jeux. Donc moi, c'est pas de la peur du screamer ou du monstre, c'est de la peur juste de... Ah, je veux pas recommencer 15 fois. Qu'est-ce qu'on fait? J'écoutais pas, je répondais au chat. Bon, je regarde. Fuir avec Alex. Ah, bah viens, on fuit, Alex. Ah, c'est là, Alex. C'est là. Eh, viens. Viens, mon poteau. J'ai bout, tu l'écoutes jamais, c'est vrai. C'est vrai, mais faut dire qu'il sait pas se rendre intéressant, quoi. Faut un petit peu mettre de la vie dans son discours. Ils sont discrets. J'ai réussi à mettre les mains sur le truc dont je parlais. Le chef remarquera jamais rien. Il y a toujours plein de trucs qui disparaissent dans une station ferme pour de bon. Quand une station ferme pour de bon. Vous en faites pas pour les doigts non plus, Sinclair. A dit à ses hommes de fermer les yeux. De toute façon, ils seront sûrement trop occupés à faire le guignol ou à accepter les pots de vin pour capter. D'accord, ouais, d'accord. Ok. Inventaire! Pardon. Il manque ça. Inventaire, interdiction de prendre quoi que ce soit ou de rayer les articles de la suite. De la liste, pardon, sans me consulter d'abord! Bref, on commence à manquer de munitions. Zoé a réussi à faucher des médicaments sous prescription. Tous adressés à la même personne. Il ne va sûrement plus en avoir besoin. MTR, il est mort. MDR, le prof est mort, on finit à 14h. Bon, attendez. Quelle heure de... Combien de VOD? 1h30. Ah, ce serait bien que là... On ait une fin de chapitre un peu, comme ça je vais aux toilettes. C'est pas là, Alex. C'est pas là. Si, c'est là. Bah si, hein. C'est là, Alex. Enfin. Moi, je sais, hein. C'est là, Alex. Faut rétablir le courant, Alex. Elle a plus de jeu. Bah oui. Fais quoi, Alex? Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Mais putain, mon... Ok. Tu vas mourir, Alex. Voilà, je peux te le dire, là, tu vas mourir, Alex. Mais ce sera bien fait. Parce que... Tant que c'est pas moi, ça me va. À 3. 1. Elle spoil. 2, ah, je connais 3. Pas mal ce genre de mise en scène dans les jeux vidéo. Titi! Ah non! Je te sauve! Chopé cet enfoiré de voleur! T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Lâche-moi, enfoiré! Ouais! Let's go! Dégage! Ces potes seront là d'une minute à l'autre! Faut qu'on se casse! Bon, j'ai quand même le. J'ai quand même en tête qu'il meurt, lui. Mais Bouge! Mais je me trompe, peut-être. Allez! T'as buté ce type? Parce que sinon c'est moi qui l'avais tué. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Je t'ai sauvé, Alex. Il faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? C'est bizarre qu'il pleuve dans l'espace, tout de même. Axel. Ah. Ah, j'ai dit, je l'appelle Alex, mais c'est Axel. C'était comme ça qu'il mourait. J'étais juste pas tout. C'était quoi ce truc? LUL, quelle est la différence entre un canard? Aucune, sauf qu'il a une pâtée plus grande que l'autre. Par Chakawa. De quoi? Quel est...
Quelle est la différence entre un canard? Ça me dit quelque chose, cette blague. Oui, c'est un non-sens et j'aime bien. Mais je crois l'avoir déjà entendu. On aimait bien comment tu aidais l'orque, ça avançait. C'est vrai que c'était pratique. Ah, j'ai envie de manger un marbré, là. Des fois, j'ai des envies tellement précises. Marbré chocolat, là, un savane. Alors oui, pour celles et ceux qui arrivent, je vais faire une petite pause. Peut-être que je vais faire une pause aussi pour la VOD. Pour ceux qui arrivent, en gros, c'est la nouvelle fonction Twitch Chat qui nous permet, avec une commande ou avec des points de chaîne, vous y avez tous accès avec les points de chaîne facilement, de faire pop une blague nulle dans le chat. Voilà. Ah là là, faudrait un Lethal Company sur une ambiance comme ça. Ce serait incroyable. Ah mais il y avait ça. Cool. Bonne nuit d'ours. Ça a pas l'air de trop marcher. Et c'est où que je dois aller pour ça? Oh mais je ne sais même pas moi-même. Ah si, c'est à l'opposé. J'imagine. Atteindre la gare de transit. Ah oui, donc c'est à l'opposé. Ok, ok. Oupsie. Ah, j'ai trop vite, il pop là d'un coup. Pim. Il m'a déjà chopé. Ouh, quand même, du coup, il one shot. Il me saisit pas une tout de suite. Il me saisit pas avant. J'avais ça en tête. Ah oui, si tu peux hanter, en effet. Ah, mais ça veut dire que même quand la blague ne pop pas, ça prend les points de chaîne. Ah, je vais peut-être faire autrement, alors. LUL, le petit poussait, mais rien ne sortait. Tu montes les points de charisme. Oh non, je reviens là. Oh, c'était il y a si longtemps. Ça veut dire que j'ai pas eu de save. Mince. On refait ça vite. Mais je vais aller aux toilettes avant. Et ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais aller aux toilettes, je vais couper la VOD, bisous la VOD, hein, et je vais refaire ça et relancer la VOD après. Mes papiers de sortie. Mais aux toilettes avant. Des bisous la VOD.